Pour Justine, Louane, Enzo et Nelson, le compte à rebours a commencé. Ils ont 5 jours pour créer un court-métrage, une fiction de 5 minutes. Blackjack, séquence 1, 3 sur 1, take 21. Merci. Blackjack est en cours d'écriture, une histoire en forme de suspense, un film noir né de leur imagination. C'est un frère et une sœur qui veulent avoir des informations sur la mort de leurs parents, donc qui a été tué par Billy, une mafieuse. Scénario, tournage, montage, les stagiaires incarnent aussi les personnages qu'ils ont créés. J'ai un deal pour toi, Bill. La difficulté vraiment de ce stage, c'est vraiment de retenir un texte, créer, réaliser, écrire. Donc des images un peu contrastées, très simples au niveau de la lumière, d'accord ? Dans le rôle du formateur, Salah Ladi, un réalisateur de l'association Coulisses, qui connaît toutes les ficelles du métier. Si le son marche, l'image, elle marche. C'est évident. À tel point qu'il y a des metteurs en scène qui se retournent pour ne pas regarder les comédiens. Ils préfèrent les écouter que les voir. Vous vous rendez compte ? Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent « Est-ce que c'est le métier que je voudrais faire plus tard ?» Et le fait qu'ils vivent effectivement cette expérience en immersion pendant 5 jours leur donne véritablement l'information « Est-ce que c'est le métier qu'ils veulent faire plus tard ?» La réponse est immédiate. En une semaine, on sait si on s'épanouit dans ce métier ou pas. Les dialogues sont courts. Hein. Les stagiaires ont 35 heures pour finaliser Blackjack. Le suspense ne fait que commencer. C'était surtout au début le plus difficile à trouver l'histoire, le thème de notre film. Dès qu'on a le début, tout vient par la suite. Une 20aine de films ont déjà été créés ces dernières années et le résultat est plutôt convaincant.